Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce Let's Play spécial. La caméra fait encore des siennes. Je vais juste, avant de commencer, changer la source de mon jeu pour être sûr qu'il ne bug pas. Voilà, la caméra fait toujours des siennes, c'est pas grave. Donc, ici, on reprend la quête annexe de la quête principale. En gros, c'est une quête annexe obligatoire, entre guillemets. Donc, le vaisseau ultime. La fois précédente, je vous avais montré, enfin, plutôt, je m'étais confirmé que la quête, enfin, le sujet de discussion les plus forts d'Aionios, c'était bien des monstres uniques à combattre. Donc vous pouvez le faire, les combats à n'importe quel moment, hein, à partir, enfin non, ils peuvent se faire, je crois, dès qu'on croise les monstres en question. Donc il y a juste la rumeur qui apparaît au chapitre 7, et ça je vous ai montré l'emplacement complètement par hasard, hein, mais je vous l'ai montré, et je vous ai envoyé donc le lien d'une personne qui les a faites, si vous êtes intéressé par les faire. Moi, je ne les ferai pas. En tout cas, pas sur cette partie. Peut-être sur la New Game Plus, quand j'aurai vraiment toutes les compos, toutes les gemmes au max. Vraiment en endgame, après l'histoire, ou un truc comme ça, parce que c'est du HL, et je suis pas... Enfin, j'aime bien le HL, hein, c'est pas ça. Mais... disons que moi, quand je joue en RPG, c'est plus pour l'histoire que pour le défi. Donc, voilà. Moi, je sais reconnaître une défaite. Et là, je la reconnais très bien, cette défaite. Voilà. Donc, là, on reprend un tout petit peu. Enfin, on ne reprend pas encore vraiment la quête principale. On termine juste cette quête-là. Donc, le vaisseau ultime. Shaman C a observé exploit sur terminal avec distance de sécurité. Je vais me faire un thé après. Très belle réussite. Bravo, bravo. À présent, Shaman peut fabriquer moteur extraordinaire tiré de rêves plus fous. Alors, amis, Pon s'en va maintenant et laisse juste Shaman travailler. Bateau prend du temps pour construire. Amis, Pon se détend des profits de vie. Très bien, bon courage, monsieur Shaman. J'aurais pu la finir. Sincèrement. Yo-yo. Origin-ka. メビウスはこの世界でしか生きられない存在だ強くそして弱いメビウスって何なんだろうな命を刈り取ってすがりついて時を止めてまでミオ限定条件はつくにせよ僕たちは死んでも再生されるメビウスはどうなんだメビウスは死んだら復活できないわなぜ私にもわからないでも皆本質的にそのことを知っているだから恐れるの死を死を恐れるかヨランも知ってたんだろうななのにあんなこともう 会えないのかでもヨランは残してくれたあああいつのあの時の笑顔あの瞬間のヨランを忘れるわけにはいかねえなメビウスが恐れる死の先にあるもの女王の言ってた俺たちが持っている鍵ってあの笑顔なのかもな Z の支配を退けた希望の力みたいなものか未来を作る力とかかっこいいですもんどっちにしろ後ろ向きなもんじゃないなむしろその反対難しく考えなくていいもん素直な気持ちのままでいいと思うもんリクの言う通りだね 私たちがこうしたい、こうありたいって願うこと、
思いのままに進んでいけば。だったら俺は未来へと進みたい。本来あるべきであった未来へ。もし許されるのなら、もしこの先も道が続いているのなら、私のノアと二人で歩きたい。Bon, ça m'en attend du temps fou. Belle lurette que, que moteur est installé, monsieur. N'importe quoi. Enfin, chef-d'œuvre de Samon terminé. Toutes nos félicitations. Ah, c'est pas félicite à point. Nous allons donc pouvoir nous rendre sur l'original. Riku prend barre, oui. Affirmatif. Riku, capitaine. Samon envoie à Riku expliquer à Pon sur fonction spéciale. Mais d'abord, tout le monde d'abord. Moi, pourquoi toujours pressé? Samon veut profiter grand moment, alors Pon écoute bien le discours triomphal d'expliquer à Pon pointu. Monsieur Samon, on n'y comprend rien, tout votre charabia technique. Par contre, on a toute confiance en Riku. Je confirme. Toujours Riku doit faire. Toujours Riku doit tout faire tout seul. En tant qu'affaire, Samon a calculé l'itinéraire optimum pour entrer bateau dans Vortex. Son point de départ, haut autour de cap de panorama bien adapté. Samon a envoyé coordonnées précises à Amiko. C'est vraiment gentil à vous. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Samon. Sans vous, nous serions dans la face. Samon, pas besoin. Merci, juste Amiko casse pas pipe. C'est promis, mais on va tous mourir de toute façon. Ok, donc vous aurez pu le faire avant de commencer les Katamex, sauf que les Katamex avaient commencé à partir du château, enfin de Shinya, là, je sais plus où elle se trouve. Du coup, je me voyais mal continuer en laissant les quêtes comme ça, puis comme ça au moins, je vois les nouvelles quêtes qui apparaissent. Bravoure, le vaisseau ultime est à présent terminé. Une fois prêt à embarquer pour l'origine, rendez-vous au cap panorama. Voilà. Pour piloter le bravoure, appuyez sur L pour passer au mode de vitesse élevée. Nice. Appuyez à nouveau sur L pour revenir au mode normal. Super. Du coup, premièrement, il y a une quête ici. Elle est où? Elle est là-bas. Elle a sûrement la quête de sa main. Question a longtemps tourneboulé dans la tête de Samon. Amipon ont encore un morceau de métal origine, oui. Ah non, métal origine. Samon est bien embêté d'entendre ça. Radar montre encore toute petite mini loupiote. Sans blague, vraiment. C'est bien curieux. Je me demande de quoi il peut bien s'agir. Ouais, ça a bien l'air d'être du métal de l'origine si on plisse les yeux. Samon a compris. Est vrai. Est vrai de vrai métal d'origine, mais s'il y a tellement minuscule que doit être juste petit fragment de métal. Ressemble à la taille que Grey ramasse. Ah ouais, c'est vrai qu'il en cherchait des comme ça l'autre, le jour où on s'est rencontrés. J'imagine que tu lui avais demandé d'en collecter pour toi. Samon, as-tu besoin de davantage de métal de l'origine? Pas besoin, navire déjà parfait. Mais surplus est pratique car métal d'origine a nombreux usages. Avec métal d'origine, Samon pourrait même fabriquer choses comme la manoa. Ben voyons. Attends, t'es sérieux? Tu pourrais vraiment faire ça? Samon peut tout faire avec marteau suprême. L'idée est venue à Samon pendant le travail sur le moteur de bravoure. C'était venu comme ça, pouf. Si Amipon veulent battre au gros méchant, Mébius, l'âme d'Amipon doit donner grosse méchant. C'est sûr que ça peut aider. Alors réglé. Amipon doivent trouver fragments métal origine pour avoir l'âme plus forte, mais pas seulement. Amipon doivent aussi trouver autres nopons qui savent brandir marteau. Des nopons? Mais pourquoi?
Métal origine ne peut pas être travaillé qu'avec marteau suprême. Seulement quelques nopons savent comment faire. Voyons, combien parmi nos ponts de vastes mondes maîtrisent techniques anciennes avec marteau suprême? Saman ne pense que 6. D'accord, alors commençons par aller chercher ces nopons qui savent manier un tel marteau. Dites-leur de retrouver Saman ici à l'atelier. Le fragment étrange que vous avez trouvé est en réalité le fragment. Ont été renommés fragments de l'origine. Ok. La réunion des 7 nopons. Donc, j'avais dit que le jeu ultime allait être un épisode à part entière, même s'il était court. 8 minutes, ouais, bof. Surtout que là, je peux peut-être... attends, il y a Mekameka déjà, on va choper Mekameka parce que lui, au moins, je sais où il se trouve. En plus, il est juste là, c'est parfait, on va aller là. Il y a toujours cette ce fragment que j'ai pas récupéré dans le poison là. C'est pas grave, on ira plus tard. Je vais déjà voir ce que j'ai. Donc premièrement, Mekameka, je sais qu'il est là. Bah, justement, il y en a un dans la forêt aussi, je sais plus comment il s'appelle. Il nous a fait une quête bizarre en plus. Ce marteau là, j'ai comme une petite idée de ce que c'est. D'Ivoire, tu voudrais pas nous rendre un petit service? À mes points, on ferait mieux de partir. Mekameka, désolé, mais n'utilise plus ce marteau. Réparapon n'est plus que ce qu'était. Réparapon n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu nous baves? Maître Pont, ah bah tiens. Valdi? Maître Pont, c'est toi? Bah si j'avais su qu'il fallait avoir Valdi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux pas sortir d'ici? Désolé Valdi, Mekameka exténué. Fabriqué, rafistolé, re-rafistolé, devenu insensé. Tout passe, tout casse, tout lasse, Maître Pont. Jean d'Aionios font que se battre. Abat tout moral à Mekameka. C'est aussi comme ça que tu me vois? C'est ça que tu as toujours pensé de moi comme apprenti, c'est ça? Maman, mais non. Faut être ami pont de tous, ennemi pont de personne. Ce sont tes paroles, Maître Pont. Ces mots, ainsi que le gantelet que tu m'as donné, m'ont toujours été d'un grand secours. Alors cette fois, c'est moi qui vais te prêter main. Valdi. Mais tu dois d'abord sortir d'ici, bon sang. Je m'inquiète pour toi, Maître Pont. Ami pont a besoin d'aide de Mekameka. Alors Mekameka aidera ami pont. Mais tu n'étais pas trop fatigué à l'instant? Mekameka peut pas laisser apprenti se battre tout seul. Sans ça, Mekameka devient propre ennemi pont de Maître Pont. Maître Pont. Voici les coordonnées, tu arriveras à trouver? Compte sur Mekameka pour être pontilleusement ponctuel. Le jour où Mekameka aura besoin d'aide de Valdi n'est pas encore arrivé. Mekameka va montrer à Valdi bel ouvrage dont Maître Pont est capable. J'ai hâte de voir ça, Maître Pont. Donc un dans la forêt de Makta. Ah, ça m'énerve qu'il me reste une caravane à trouver. Je crois qu'il y en avait un dans la forêt. On va enfin voir ce qu'il y a sous ce brouillard. Ça va? Où tu jumpies? Attends. C'est où? Ah, c'est là. Waouh, je dis qu'il monte sur mon pont. Eh ben ma belle. C'est bien la première fois qu'elle le fait. Ouais.
c'est tout. Oh, les deux sont en jeu. Je suis triste. Dis donc, Bubule, t'es bien marchand, c'est sûr que. Bien sûr, Bubule utilise marteau pour écraser châtaigne plantée, pour parer goûter. Pauvre marteau. Hein? Parie que le marteau est super important et toi, tu t'en sers pour te faire des cases d'âne? Bien mieux que laisser marteau rouiller. Bubule aimerait enseigner technique de marteau. Doudi, les pipis, c'est dans la litière, hein? Papa l'innocent. Ça te dirait faire des trucs un peu sérieux que des miens. On aurait besoin de toi pour une mission marteau. Désolée, les lapins ont décidé de faire des bêtises. Cacahuètes. On t'a peut-être aidé la fois où tu tenais presque plus de moins 1. Où tu tenais. What? Mais c'était pas une question. C'était une affirmation. Pourquoi il y avait un point d'interrogation? Je comprends pas. Bubule n'a pas le choix, mais Bubule n'est pas bon marché. On trouvera un bon arrangement, t'en fais pas. Bubule accepte. Atelier prêt? Voici les coordonnées, on se voit plus tard. Bubule prépare facture pour Ami Pont en attendant. Je viens de voir Jumper qui a sorti sa langue. C'est trop bien. Bref, je deviens folle. Free Popham, toujours pas. T'as pas genre un indice pour le dernier? Personne ne trouve meilleure combine par rapport au profit caravane. Okay. Alors, Nice, je sais plus. Là, je sais qu'il y en a un. Mais où? Je sais plus. En plus, à tout je dois aller là. Qu'est-ce que vous faites? Et là aussi. Je vais aller là. Non, il y a encore un autre truc là-bas. Ah, c'est allergie sur peu plus. Je vais aller me faire un thé. Déboucher le nez. Jouer avec les lapins. Moi j'ai cours de conduite et après je reprends les cours, mon dieu. Alors, premièrement. Par là. Sûr qu'il y en a un. Il doit être quelque part par ici. Je sais pas s'il est vraiment. Bon, pour les fragments, je pourrais pas vous dire les emplacements où je les ai trouvés exactement. J'espère sincèrement qu'il y aura une soluce qui vous les montrera. Mais si vous faites théoriquement toutes les maps, vous les trouvez assez facilement. Ce sont les loupiades. Moi, je vais vous le montrer une fois que je l'aurai. J'aurai celui-là de cette zone. Comment? Pas aller plus loin. Oh. Oui, non. Ce sont des lumières bleutées. Oula. Une cascade de poison. Bravo. Du coup, je crois que notre. Ah, voilà. Notre nos points est là. C'est le seul point vert de la map. Il ira là après. J'ai éternué. Oh, où est-ce qu'il est? Voilà. Ce genre de truc là. De lumière là. Fragment de l'origine. Au moins j'aurais celle de cette zone. Il me semblait pas en avoir trouvé une autre. C'est celle-là? Bizarre. Il me semblait en avoir trouvé une autre. Enfin bref, on va voir. L'important c'est qu'on l'ait. Bestiale. J'aimerais pas me balader dans cette forêt. Déjà, il y a du poison. En plus, il y a des gorilles géants, des insectes géants. Laisse tomber. Il y a
il faudra trouver la dernière caravane aussi pour Freepopon. Il faudrait que je revérifie en ce moment. Wow. Hop là. Jidin, peut-on te convaincre de manier ce marteau pour nous? Cette petite faveur nous serait d'un grand secours. Amis Po ont besoin de l'enclume de Jidin. Jidin, d'accord, pour tout lâcher, pour vous aider. Merci de tout cœur. Je t'envoie des coordonnées, retrouve-nous là-bas plus tard. Mon Dieu, ça ira pour t'y rendre toute seule? Un jumper qui vient de faire un sprint. Jidin utilisera pouvoir du son pour faire danser Watt, j'ai pas compris. Tout devrait bien se passer alors, enfin espérons. Ok. Jumper. T'as pas un pour rattraper l'autre. Hein. Bref, donc ça c'est fait, je vais juste aller visiter. Oups. Aïe. L'endroit où j'étais bloqué parce que c'était des levels 80. J'étais que level 3. Pourquoi? C'était dans l'autre sens. Au moins, cela je me souvenais de où il se trouvait. Plus ou moins. En voilà un autre. Je l'avais pas déjà appris. Étrange. C'est vrai que c'était sur un truc comme ça aussi. Heureusement que le poison ne tue plus. Hein. Et heureusement que les dragons non plus ne tuent plus. Ensuite... Ah non, c'était celui-là que j'avais été. Attends, comment je fais pour aller choper? Oh, tant pis. J'étais persuadée d'en avoir vu un du haut de l'arbre. Thomas. Bref, tant pis. J'espère juste que j'en aurai assez pour les armes des héros. Sinon, j'irai faire mes recherches. Mais... pas passer 3 heures à chercher. On en a déjà retrouvé 2, c'est déjà pas mal. Ah, foutez-moi la paix, je cherche quelque chose. Ce que je déteste le plus, c'est de me faire emmerder quand je cherche des trucs. En plus, le pire, c'est qu'ils savent très bien qu'ils peuvent pas t'être, que je suis beaucoup plus fort qu'eux. Mais non, ils s'en foutent. Je m'attaque quand même. Par là. Je suis perdu. Ok. Excusez-moi, je passe. Bonjour, pardon. Oh.
Fait du bien de pas se faire aggro par les mobs. Tellement pratique quand on charge des trucs. Là-bas, j'ai déjà été. Quand même revérifier pour être sûr. Mais non. Au cas où, j'avais pas été jusqu'au fond parce que la mare était trop grande, mais apparemment non. Oh, on va pouvoir récupérer les conteneurs aussi que j'ai pas su récupérer la dernière fois. Oh. Est-ce que je peux me le faire? J'ai encore oublié de me faire être des meufs. Je n'aimerais jamais les trucs de compétence. Faudrait vraiment que je les fasse. Hein. C'est sûr, ça m'aiderait contre les gros mobs. Enfin, surtout que je vais devoir me refaire l'autre. Là. Enfin, ouais. Yeah.
世界をつなぐための力だ。これで大丈夫だ。 Ok, c'est vrai qu'ils donnent les fragments aussi, les uniques. Si ça se trouve, peut-être pour la quête des 7 nopons, je dois quand même devoir aller tabasser les autres. Oh là là. Bah tant pis, il y aura une personne qui n'aura pas son fragment en épée d'origine. Oh! Alors... Easy. J'aime bien ce genre de petites énigmes comme ça. Dommage qu'il n'y en a pas plus. Oh là. Oh non. Il m'a marché dessus et je suis morte. Non mais laisse tomber, je peux pas me battre contre lui. Pas possible. Bon, si ça se trouve, je vais vous les montrer tous complètement par hasard. Donc, lui fait partie de la quête les plus forts d'Aionios, je crois. Zog le redoutable. C'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Je sais pas s'il y a une strat ou quoi pour les battre. Mais là je pourrais pas le battre, hein, clairement. J'ai pas le stuff pour quoi. Ni toutes les classes qu'on va faire. Là normalement j'ai toutes mes classes qui sont rang 20, celles que j'utilise sont rang 20. Mais j'ai pas les bonnes gemmes. Et je suis absolument certaine de ne pas avoir le bon équipement. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse une vidéo avec l'équipement qu'ils utilisent. Parce que je suis sûre qu'ils ont chacun une technique, mais je la connais pas. Enfin, mais c'est tellement la merde. Vas-y, on va se soigner. Je m'y attendais pas à ça, moi j'étais bien en train de me promener là et... Quelle idée, attends, ouais. C'est pas une machine, mais pas autant. C'est pas mieux. Non mais le type il marche dessus, c'est bon, je suis morte quoi. N'importe quoi. Ok, merci. Au moins ça. Ah, je fais zéro dégâts quoi. Ok. On va préférer un petit DPS pour le coup. Ouais.
Bon, je vais au moins retirer 6% de sa vie, c'est déjà ça. On va protéger Lilia quand même. Mais bon. Non, en fait, on va rien faire du tout parce qu'il n'y avait qu'un seul personnage. Voilà. T'as un enchaînement nul. Mais... Comment ça, invincibilité? Mais non. Mais non. Ah bah voilà, tous mes healers sont morts. Normalement, Lance devrait pouvoir en ressusciter bien un avant de crever. Oui. Ouais, il a ressuscité Yuni. Right. Oui, ça sert vraiment à un médaillon de souvenir, c'est vraiment utile pour ce genre de cas. Surtout contre ce genre de boss. Bon, après, si Lance et tous les heals meurent, ça sert plus à rien, mais au moins que les heals meurent, ça ressuscite, il les ressuscite là. J'aurais peut-être augmenté un truc qui augmente mes dégâts d'enchaînement, je crois. Ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression de faire zéro dégâts, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. L'épisode va durer 3 heures juste à cause de ce boss quoi. Il était pas prévu en plus, c'est ça le pire. Ah, ça va. Pendant 2 secondes, j'ai cru que je le tankais. Ah non, invincibilité. Vas-y. Au moins, l'avantage, c'est quand ils sont. Attends, parce qu'on va soigner là. Quand ils sont en Ouroboros, ils sont invincibles. Donc je vais diminuer sa défense d'abord. D'abord soigne-nous. Voilà, je préfère ça. Ah putain, déjà 41 minutes, nom de Dieu. Ensuite on va faire devant donc projection frontale. Ensuite, un tank. On va augmenter une hostilité. Invincible ! Non, mais à quoi ça sert que je fasse un enchaînement si t'es invincible, monsieur ? Mais même pas, t'es drôle. Ah non, ça va. Sur le côté, t'es pas invincible. Bien. Je me dis, ça y est, ça sert plus à rien. Mon enchaînement, il est complètement cassé. J'ai eu 2 tanks du heal. C'est la dèche. Alors, premièrement, on va faire hostilité. Puis les 2 heal. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. On va augmenter notre attaque. Puis on va faire défense en diminution. Et maintenant, on augmente le taux de critique. Avec le bonus aussi. Enfin, qu'est-ce que ça va être quand il va être au niveau de la flamme? Bon, laisse tomber, là il n'y a plus besoin. Avec un seul heal, je ne peux pas atteindre les 100. Dommage. Mais bon, au moins diminuer un peu sa défense unique. Dommage que Tayan ne se soigne pas quand il fait ça. Tu es où là? Non, ton cul en fait.
vois rien. Je sais même pas ce que je vis. Je suis dans sa patte. Je suis même pas sous sa patte, je suis dans sa patte. Ouais, je vais bon, je vais mettre pause l'épisode, ou sinon ça va vraiment faire 3 heures. Je vous reprends si je le bats ou si je meurs. Et re. Je me pose un peu. Bon, ça va, il est... Bon, je vais rien dire, mais comme vous voyez juste au-dessus de ordre d'attaque, je suis vraiment à la fin. Je vais pas me porter la poisse. Il y a ma pauvre Senna qui est morte. Juste au moment où j'ai appuyé sur le plus, c'est un peu dommage. Du coup, faire ça. Du coup, pour l'instant, je suis pas encore morte. C'est toujours le même combat. Étrangement, je le gère mieux que l'autre, apparemment. Du coup, on va faire ça. Oh non, je voulais faire plus. J'aurais dû faire le heal suivi du DPS. Tranquille. Ah, nice, je l'ai eu. Eh bien, franchement, à part son balayage caudal qui peut one-shot, et ses boules de feu, et le fait qu'il soit hyper tankish, il n'y a pas vraiment de difficulté si vous mettez bien, si vous contrôlez bien Noah, que vous le mettez bien en dehors des attaques, il ne devrait pas y avoir de soucis. Franchement, j'ai déjà eu 3 heals. Encore une fois, ils font impérativement. Ben voilà. Ils font impérativement qu'il y ait au moins un personnage qui est médaillon du souvenir au cas où vos heals meurent. Parce qu'ils peuvent se faire one shot, mais sévère. Là, pour le coup, j'ai eu Lanz. À un moment, j'étais juste encore une fois que moi et Mio qui étions en vie avec Lanz qui essayait de ressusciter tout le monde. Du coup, je me suis mis en Ouroboros Mio pour essayer de récupérer l'aggro le temps qu'il ressuscite tout le monde. Encore une fois, je pense que j'ai gardé encore l'objet qui permettait à Tayon de récupérer 100% de ses arts à chaque fois qu'il réanimait quelqu'un. Donc, ça a aidé aussi au niveau du heal. Yuni qui a un heal plus fort, ben, qui heal est derrière, c'était pas mal. Juste cette pauvre Senna qui est décédée juste avant que je fasse mon enchaînement. En plus, le pire, c'est que je l'avais pris pour qu'elle puisse se faire soigner. Donc, voilà, le deuxième monstre unique de la quête, les plus forts d'Aionios, a été détruit complètement par chance. Franchement, si je les croise, ouais, je les ferai, mais si maintenant je meurs, laisse tomber, je le ferai pas quoi. Là, pour le coup, je suis pas mort, donc j'en ai profité. Je me dis, tiens, mais en fait, ça peut le faire. Et voilà, ça l'a fait. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Un trésor caché dans la grotte? Aucune idée. En tout cas, c'est à nous maintenant. What? Croc-croc légendaire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, bon. Ça se trouve, en fait, on est obligé de le battre parce qu'il faut trouver ce croc-croc légendaire. Quoi. Whatever. Au moins, on l'a fait, c'est déjà ça. Au niveau des... Ouais, je peux les choper. Nice. Parce que c'est vrai que les veines des terres, je les chope pas parce que je suis toujours full, généralement. Par contre, il va vraiment falloir que je me renseigne ou choper les compos que j'ai pour les gemmes. Faut vraiment que je les max. Ça peut vraiment être utile. Mais pour l'instant, je m'en sors. On va dire, pour l'instant, je m'en sors. Je l'ai trouvé littéralement moins compliqué que le niveau 95, là. Notamment parce que le niveau 95, son attaque où il saute et qui fait des tremblements de terre, je pouvais rarement l'éviter. Là, à part le moment où il fait son grand hurlement, où il est invincible, suivi de ça, il y a les boules de feu, ben ça passe quoi. Les boules de feu, généralement, j'ai eu de la chance, mes alliés étaient souvent en Ouroboros, et même s'ils se faisaient taper dessus, c'est en fait maximum 3-4 boules de feu
qui tape aléatoirement les gens. Moi, par exemple, Noah, il se fait OS par cette boule. Mais généralement, ça va. Comme il y avait les tanks, les gens étaient protégés par le bonus de défense. Du coup, ils arrivaient à survivre. Et même s'ils mouraient, t'avais toujours Lance qui était juste à côté pour pouvoir les ressusciter. Du coup, ça passe et crème. Le seul moment où j'ai vraiment eu des difficultés, c'est à cause du balayage caudal, qui lui, mes trois heals se faisaient littéralement, s'il se faisait attaquer par ça, il se faisait one shot quoi. Donc ça, y a pas de solution. Les heals se font one shot s'ils se font toucher. Par contre, il y a un moyen de l'éviter. En tout cas, j'ai vu que de temps en temps, les gens l'évitaient. Les PNJ l'évitaient en étant un peu plus loin que la portée. Après, voilà, le temps de réaction est assez court. Donc, mettez bien votre personnage principal derrière lui et théoriquement, ça devrait passer en fait. Il attaque si les tanks gèrent bien, il attaque rarement derrière lui. Donc, au moins là, vous êtes tranquille quoi. Nom de Dieu. Ça pour une surprise, c'était une surprise. Du coup, il y a un autre truc là-bas, je crois. Oui, parce que c'est pas parce qu'on a battu ce boss complètement aléatoirement qu'on va pas continuer à visiter la map. Hein. On va aller par là maintenant. Surtout que il faut que je trouve. Ah bah tiens, hop. Oh, salope. Non mais ça va, je viens de battre un monstre 105, tu vas pas me la faire, mon coco. C'est la fille qui n'est pas du tout un Bigelman. Bon, c'est dommage que je n'ai pas pu vous montrer la totalité du combat, mais il était beaucoup trop long. Je crois qu'il m'a pris... Faudrait que je revérifie... Combien de temps il m'a pris sur sa pierre tombale une fois que j'ai été chercher le fragment derrière moi là. Je crois que j'ai pris au moins une bonne dizaine de minutes, ça c'est sûr. C'est pas plus. Mais ouais, je l'ai trouvé moins compliqué que celui-là, 95, ce qui est assez étonnant. Mine de rien. Et après là, peut-être que les tanks faisaient vraiment bien leur taf. Enfin, je veux dire, le mob il bougeait pas quoi. Donc, je sais pas. C'est bizarre. Mais j'ai eu l'impression qu'il était moins compliqué que l'autre. Donc ça, c'est fait. Là, on est tranquille pour cette zone. Bien. Bah d'ailleurs, je vais vite le faire. Voir combien de temps j'ai mis pour le combat. Bon, je suis contente, j'ai pas dû le faire plusieurs fois. 17 minutes, presque 20 minutes quoi. Et il y en a plusieurs. Non mais laisse tomber, je la ferai pas celle-là. une fois ça suffit. Du coup, le prochain... Ah oui, en pensant en doublant le pont... Doublons nos ponts. Oh là là, je vais y arriver. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est cette carte que je voulais. C'était où? Pardon. Est-ce que par hasard le nos ponts de la zone secrète? Non. Attends. Là. Je crois que c'est ici. Et il y a toujours ce dernier nopon aussi que je dois trouver. Enfin, cette dernière caravane nopon que je dois trouver. Je sais pas si elle est justement dans la dernière zone ou pas. Mais en tout cas, avant d'y aller, je vais le trouver. Je m'en fous, je revais toutes les maps s'il faut, mais je vais le trouver. What? Mais attends, est-ce que c'est bien fourni sur moi? Je sais plus.
Oh Dieu. Non mais... Je sais plus... Nom de Dieu... Tu vois. Il y a toujours cette zone que je dois aller voir. Mais bon sang. Il est où le nom des doublons? Saloperie. Il me semblait que c'était à Pornis. Déjà, caravane de la steppe, c'est quoi ça? Comment? Non, je t'ai déjà parlé, il me semble. Hein. Ouais, je t'ai déjà parlé. C'est Plif Plouf que je dois trouver? Non, Plif Plouf, c'est celui-là qui fait la pluie dans la colonie 9. Rien à voir. Oh, bon sang, je la trouve pas. Vas-y, ça m'énerve. Bon sang. Ah, voilà. Nom de Dieu. Je crois que c'est là qu'il est, le machin. Oui, il est là. Nom de Dieu. Amis Pont ont trouvé d'autres doublons non points en trébuchant pour Buburine. Prochaine œuvre à apprécier de Buburine sera pas de la bibine, car Buburine jamais ne se débine. Ok. Nous cherchons des nopons maîtrisant le maniement du marteau suprême. Maman, Buburine a reçu marteau des mains de Maître Pont qui a enseigné art des cavernes piégées à Buburine. Buburine surprise qu'autant de personnes connaissent vraie valeur de marteau. Buburine est contente d'apporter son aide. Voilà qui fait plaisir à entendre. Il te faudra suivre ses coordonnées et te présenter au nopon appelé Samon. Buburine en route. Ok, attends, parce que il y a des trucs déjà, augmente la vitesse. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont intéressants. Ça sera pour le New Game Plus, je préfère me concentrer sur les classes pour l'instant avec les doublons. Augmente de 10 les points techniques au début d'enchantement, c'est pas mal. Mémoire brutale, ok. Voilà, ici vous pouvez les acheter pour 99 doublons d'or, le médaillon du souvenir. Vraiment très intéressant d'avoir ça. Ok, c'est tout, y a rien. Ok. Ouais, ben... T'as pas des objets intéressants. Hop. Alors, je récupère ça. Ensuite... Il y a un truc que j'ai pas fait là.
pas du tout où sont les autres. Je sais pas. Bon, attendez, je remets pause pour chercher tout ça. Ça y est, on va trouver. Alors, je sais même plus qui je recherche. Ah, je recherche un enfant, c'est ça? Ah oui, ça y est, je me souviens. Voilà. Je me souviens où il est. Je me souviens surtout de qui il est. Celui-là qui a créé l'arme Manana, là. Par le centre, son nom. Et là, il est en droite. Et là, il est en hauteur. Comment je peux y aller? Il y a un truc là-bas aussi. J'aimerais bien aller. Le truc des sept. La relique des sept. Voilà. Ouh. C'est vrai qu'il y a une autre zone, j'ai jamais réussi à... Ah bah si je saute par là, ça fonctionne. Est-ce que je suis en hauteur, déjà? Ou est-ce que je suis en dessous? Si je cours et que je saute, est-ce que ça fonctionne? Ah, mais il y a un ennemi 78. Bon, je vais mettre pause, je vais me le faire et on se retrouvera tout de suite après. Ok, elle est bientôt mort. En même temps, j'ai chopé un élite, j'avais même pas. Bon. Whatever. Grand bien leur face. Alors. Géronimo. Héritage des sept. Vas-y, donne. Pas du tout à quoi ça sert, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi en fait? C'est des accessoires? Ok, c'est des accessoires. Pas du tout s'ils sont intéressants ou pas. Dans tous les cas, je les prends. Du coup, avec tout ça, reviens là. L'avantage, c'est que maintenant, je peux me téléporter là. Enfin, je pouvais déjà avoir, mais... Alors... bonjour le piou-piou, je vais que passer. Je vais juste aller par là. Et récupérer le conteneur. Et ensuite, on ira chercher machin. Machin qui a fait la nouvelle marmite de Manana, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais même pas où il se trouve. Par contre, les gemmes brutes ultra pures, j'espère sincèrement que j'en aurai assez. Parce que. Parce que là, je suis tous en train de les vendre, là. J'arrive pas à faire mes gemmes, étant donné que...
What? Non, descends pas. J'ai pas envie de me refaire tout le chemin. Étant donné que... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, étant donné que bah, j'ai pas les compos. Enfin, j'ai pas certaines compos, donc... Il est où le machin, là? God, j'ai passé 3 heures à le chercher, c'est pas possible. Ah, il doit être proche d'ici, en plus, c'est ça le pire. De Dieu, où est-ce qu'il est? Je dois, c'est pas possible. Machin, t'es où? Je sais même plus comment tu t'appelles. C'est pas possible. Machin. Vas-y, je veux juste. Ah, le voilà, le point vert, le seul et l'unique. J'avais juste pas été assez loin. Voilà, t'en papa. T'aimes papa. Good. Que voilà mes plans cette fois. T'as un papa occupé à changer de maison en plein dans préparation. Tu as utilisé un marteau suprême pour fabriquer la marmite de ma nana, pas vrai? Maman. Comment Mio connaît secret du marteau? Nous avons besoin de l'aide de nos ponts qui savent manier le marteau suprême. T'aimes papa très cordialement refuse. Est-ce que t'aimes papa aimerait dire, mais ami pont a sûrement appris l'existence de marteau de bouche de Samon. En effet. Quand Samon appelle, nos ponts répondent. Surtout nos ponts qui ont chose à rendre à Samon. Merci. Ami pont, pas faire fausse idée. T'aimes papa fait ça pour Samon, pas pour faire copain. T'as papa devine qu'il doit aller à l'atelier de Samon? Oui, en effet, nous allons t'envoyer les coordonnées, la cité est en mouvement. T'as papa est prêt à partir. Nice, c'était le dernier. Cool! Discuter à un point de repos. Ben, allons à un point de repos. Genre là. Ouh. Désolé, ça va être un long épisode, mais je m'attendais pas à devoir me taper... cette unique... Je t'ai déjà parlé, toi, Dandan? Ouais, je t'ai déjà parlé. Alors que je me repasse toutes les caravanes pour voir si j'en ai pas oublié une. Et donc, ça confirme. Hein, c'est bien les monstres qui me manquent. Si on peut se fier aux paroles de Monsieur Samon, nous n'avons plus qu'un autre point à trouver. Mais on l'a déjà cherché partout, ce fameux nos points, son marteau suprême. Ouais, on est bien avancé. C'est ton maître pont, je parie. Ferions mieux de partir pour Colonie 9. Hein? Pourquoi maintenant? Ou bien c'est toi? Oh, est-ce que tu veux dire que le dernier nos points s'y trouve? Rico, tu le connais? Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Moi? Que disent amis ponts? Rico est dernier nos points suprême. Pardon, quoi? Je t'avais dit. Soa? Pourquoi n'avoir rien dit à Samon quand on était sur place? Rico répond pas si Samon demande pas. Je vous jure. Maintenant, est l'heure d'aller dans l'atelier pour prendre un marteau suprême, dit Rico. Ok. Patsuwa. La colonie 9. Là. On aura fait un tout petit peu de la quête principale, plus la quête des nopons. Au moins, ça sera fait. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'épisode qui dépasse une heure, sauf quatre cinématiques. Non.
Vous avez trop de trucs, il y a trop de gens à qui parler, c'est pas possible. Je vais parler à tout le monde et on vient. Bon voilà, j'ai parlé aux trois personnes qui étaient ici. Ah ouais, elle le laisse comme ça là. L'a vu tous. Bah bravo. Bravo Riku. Marteau par là. Ouais, enfin on le voit quand même. Riku a toujours laissé le marteau ici. Amipo aurait dû remarquer depuis belle lurette. Il était là pendant tout ce temps. Jour est venu pour Riku d'utiliser marteau. Marteau reçu des pattes de Maître Pont. Oh, Saman nous appelle. Cinquième Nopon avec marteau suprême est arrivé dans cité. Six Nopons en tout avec nos Saman. Merci pour l'info, monsieur Saman. Le dernier Nopon est avec nous. Nous allons regagner la cité avec lui. Saman attend un mi-point à l'atelier. Nous n'avons plus qu'à y aller. Oui. Nous comptons sur toi, Riku. Riku décevra pas. J'aime bien ce qu'il fait avec ses oreilles. Ok, let's go. Là. Après, on ira à la colonie 11 pour faire la quête d'Ashera. Et je pense qu'on aura fini. Enfin, non. Il y a encore deux quêtes à faire. Mais je pense qu'on aura fini les quêtes annexes à ce moment-là. Du coup, je vais Pex Ashera. Et ensuite, je chercherai les compos pour augmenter mes gemmes. Parce que j'en ai marre de vendre des gemmes. Alors que je sais que j'en ai besoin. Toi, t'as des trucs à dire. Maintenant que j'ai atteint la vingtaine, peut-être qu'on me confiera enfin des fonctions importantes. N'as-tu pas déjà suffisamment à faire? Pas vraiment. Le fait est qu'on ne m'a jamais réellement traité comme une adulte. Je ne peux pas croupir toute ma vie chez des garés. Je dois aller retrouver Crito et vite fait. Ok. Non, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est tout. Nos ponts enfin tous réunis. Saman va pouvoir rendre l'arme d'Amipon redoutablement plus forte. Saman a déjà imaginé un nouveau design pendant que Saman faisait Poirot dans Atelier. Comme auparavant expliqué par Saman, Amipon ont besoin de fragments métal origine pour rendre l'arme plus costaude. 7 types de fragments métal origine sont disponibles. Pour devenir plus forte, chaque lame a besoin de bons types et de bonnes quantités de fragments. Quand Amipon seront prêts et auront tout ce qu'il faut, juste besoin de dire à Saman. Il est marrant, avec nous. Nous n'y manquerons pas. C'est un papa curieux. Pourquoi Saman est chef des Nopons? Saman convoque, donc Saman commande. Un pont, c'est tout. Maman, Buburi ne préfère pas commenter. Blabla sert à rien. Place à boulot. Maman, un mi-pont n'ont qu'à prévenir. Saman et un mi-pont seront prêts. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Nice, j'ai fini. La réunion des 7 Nopons. Les 7 Nopons, les gendarmes sont enfin réunis. Collectez les fragments de l'origine, puis parlez à Saman pour améliorer les lames du groupe. Bah voilà, le tuto des fragments d'origine. C'est pas comme si ça faisait depuis le niveau 1 qu'on en trouvait. Mais bon, on sait jamais, hein, au cas où. Vous trouverez l'atelier de Saman dans la cité. Donnez des fragments de métal de l'origine aux 7 légendaires forgerons nos ponts pour améliorer vos armes. Alors, et encore, oh, vous avez plein de trucs à dire. Premièrement, je parlerai aux autres plus tard. Amis ponts ont trouvé fragments de métal d'origine. Celle de Noir, personnage principal. Ok. Saman se met au boulot illico. Avec un peu de chance, vu le nombre de fragments que j'ai récupérés, avec un peu de chance, je pourrais les faire tous. Trop marrant. Oh nice, elle est belle en plus. Du coup, je vais faire ça. J'espère que j'aurai assez maintenant que je regarde. Si maintenant il y a beaucoup de 4 et de 5, je suis pas sûre. Bon, on va d'abord faire ça. Puis je vais faire Yumi et Lan.
comme ça comme ça. Il... Ah non, Mio est un tank accessoirement, donc... Ça va. Ça passe. Oh, mais elles sont trop belles en plus. Ouais, je m'en fous, je les... Par contre, c'est comme c'est vraiment dans tout, toutes les maps, je ne pourrais pas vous dire où les trouver, il faudra vraiment les chercher. On va chercher celle de Yumi, comme ça j'ai au moins un de chaque type. Parce que l'origine hexagonale, ça risque d'être un peu faux. Je vais faire de test que j'en ai plus, hein, ça c'est sûr, mais au moins comme ça j'en ai un de chaque type. Et je vais peut-être faire Taïon aussi. Non, Senna. Ah, j'ai Seta. Zocti, ça serait lequel? Augmenter notre taux de heal? Non, je crois que le mieux ça serait d'augmenter notre taux de DPS et de tank. Ça fera vraiment un long épisode, hein. Désolé. On va faire. Je vais voir pour les autres si je peux en faire une de plus ou pas en fonction de ce que je veux. Et après essayer de récupérer le fragment manquant, évidemment. Le ou les fragments manquants. Il est pique plutôt. Ah, j'ai pas vu pour venir. Ouais, alors, celle de l'homme. Du coup, je pourrais pas faire celle de Taïon. Il manquera, je vais voir qu'il manque. N'empêche, elles sont trop belles. Je sais pas combien de temps tu les vas libérer. Mais ça peut être intéressant de le faire. Du coup, celle de Taïon. Non. Attends, l'hexagone. Il manque juste 4 hexagones. Ok. Au moins, essayer de les améliorer une fois. Donc voilà. Je vais essayer de trouver donc, le fragment de l'origine hexagonale. En d'en trouver 4. Je sais pas si les monstres uniques. Particulier en donne plusieurs fois ou si c'est vraiment la première fois qu'on les combat, donc ça je verrai en essayant dans Tatane 1 que j'ai déjà fait. M'en faudra 4 et on sera bon au niveau des améliorations d'armes. Après est-ce qu'on sait augmenter? Par exemple, si je veux augmenter celle de Noah, est-ce que je peux la faire? Non, ok. Donc c'est vraiment, il me manquera juste celle de Taïon. Donc dès que j'ai les fragments hexagonales, eh bien je reviendrai la faire ici. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu la faire. Désolée pour ce long épisode, mais je voulais impérativement, vous montrer les emplacements des nopons et deux, vous montrer les armes. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.